Exprime le périmètre de cette figure en fonction de A et de B, sachant qu'un trait bleu, mesure A centimètres. Petit 1, 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 petit 1. Chaque trait bleu mesure A centimètres. Un trait violet sont là, enfin sont des rouges. Ils mesurent 2A. 2A, 2A, 2A. Bien, alors le périmètre, c'est la somme de tous ces côtés. Alors, les traits bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 fois A. Plus les traits rouges. 2A, 2A, 2A. Combien de fois 2A? 2A fois 3. Cette chose, le périmètre, c'est qui plus court? 8A plus 6A. Autrement dit, le périmètre égale 14A. Et si on veut savoir combien ça vaut ce périmètre, si A égale 1,3 cm, alors le périmètre s'obtient en multipliant 14 fois 1,3. On fait calcul de tête ou pas? Allez, on pause parce qu'on rappelle quelque chose. 14 fois 1,3. 3 fois 4, 12. Je retiens 1. 3 fois 1, 3. Plus 1, 4. 1 fois 14, 14. 2, 8, 1. 18,2. Exprime le périmètre de ce polygone en fonction de A et de B, sachant qu'un trait bleu vaut A, donc un trait bleu A, un trait bleu A, un trait bleu A, trois traits A. Un trait rouge, ça vaut 2A, 2A, et un trait vert, chacun mesure B, B. Et B. Et ce trait, 3,2 cm. Alors, le périmètre est égal. On additionne tous les côtés. On commence par ici. Allez, on commence par ici. Et pour ne rien perdre, on va dans ce sens-là. Donc, d'ici vers là, 3,2 plus B, plus 2A plus A plus A plus A plus A plus A plus A. Combien ça fait ça si on simplifie un peu? Le périmètre égale 3,2 plus combien de B on a? 2B plus combien de A on a? 2, 3, 4, 5. 5A. Voilà le périmètre de ce polygone en fonction de A et de B. Si A égale 1,3 et si B égale 4, alors P égale 3,2 plus 2 fois B 4. Remarquez que le fois est apparu pour ne pas confondre avec 24, hein, plus 5 fois A. 1,3. P égale, les multiplications sont prioritaires. Je copie 3,2 plus 2 fois 4, 8, plus 5 fois 1,3, vous l'avez trouvé. On multiplie par 10, ça fait 13, divisé par 2, 6,5. Et la valeur numérique finale, ça plus ça plus ça, combien ça fait? 8 plus 6, 14, plus 3, 17. 17, les dixièmes, 7. 17,7 centimètres.